Et bonsoir tout le monde, ici PH pour stack.ca, présentement en direct pour notre break numéro 147, le premier de trois ce soir. Et nous débutons avec un quatuor de Topps Chrome Black. Et ouais, Topps Chrome Black, produit qui contient pas mal tout le temps, hein? 4 cartes, 3 bases ainsi qu'une carte autographiée. Belle chance d'avoir des cartes de joueurs qui sont des Hall of Famers, des joueurs vétérans. Et les recrues, bien sûr. Tout ça dans le même produit, regroupé par ce merveilleux emballage. Donc, est-ce qu'on a des fans? Est-ce qu'on a du monde qui sont présentement en direct? Est-ce que je peux avoir au moins quelques partisans de plus que la conférence de notre premier ministre ce soir? Soit-on-le. Alors, sans plus tarder, je vous montre le plateau. Alors, nous avons quoi? Nous avons une équipe complète. Nous sommes complets. Et vous aurez remarqué que quelques équipes ont été fusionnées. Alors, regardez ça ensemble pour être certain que vous êtes au courant des mix. Nous avons les Brewers mixés avec les Diamondbacks. Nous avons Oakland mixé avec les Pirates de Pittsburgh. Et nous avons, je crois, juste un peu plus haut. Ah oui, c'est plus haut, je l'avais manqué. Les Cubs avec les Rockies. Alors, Chicago Cubs avec les Rockies du Colorado. Nous avons également Milwaukee avec Arizona et Pittsburgh avec Oakland. Pourquoi? Simplement que 3 de ces 6 équipes ne représentaient pas tout simplement une équipe suffisamment forte pour une place. Alors, de là la raison pour on a 27 places. Salut Steve! Hello! Alors, 27 places, 27 équipes ou combinaisons et 27 participants, participantes. Et ça, c'est vous, mesdames et messieurs. Alors, on va y aller sans plus tarder avec notre randomisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'oubliez pas que je suis toujours disponible pour vous. Baseball, hockey, football, basket, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Nommez-le maintenant, plus rien ne nous arrête, plus rien du tout. Alors, nous y voilà pour ce tour de brassage. Est-ce que ça va fonctionner du premier coup ce soir? Je crois que la Morine a besoin d'un petit coup de pied dans le derrière pour se repartir. Une légende, Ram! Salut Yannick! Hello Yannick! Alors, la Morine va devoir patienter quelques instants. Ça y arrive des fois quand je me promène d'une à l'autre, d'une place à l'autre, le temps qu'il se connecte et le message ne se rend pas. Oui, bien sûr, Sylvain, il n'y a aucun problème. Jamais, je n'en voudrais une personne qui ne peut tout simplement pas se permettre d'embarquer. Mais écoute, de t'avoir comme spectateur pour moi, c'est déjà suffisant. Un gros merci de tes encouragements. Quand tu pourras, bien sûr, une place t'attendra avec certitude, je te le promets. Il y aura toujours un break baseball en cours pour toi au moment où tu voudras embarquer. Et tu sais très bien que c'est un peu comme ça pour beaucoup de personnes en ce moment avec la pandémie. Alors, j'espère que tout se réglera très bientôt pour nous. Mais notre gouvernement a décidé d'avoir une petite pause, surtout les dimanches. Alors, c'est bon pour tout le monde, malheureusement ou heureusement. Je ne sais pas comment le percevoir. Donc, on ne fait pas de politique ce soir. On va faire du baseball et du hockey. Alors, je reclique sur mon bouton ici. Rayon close. On va y laisser un 15 secondes. Et vous allez voir, la machine va repartir. Ben, exact, tu fais tes devoirs en attendant, Sylvain. Tu ramasses l'information, puis quand les moyens seront de retour, t'embarques, tu vas voir, ça va faire boum avec Stack.ca. C'est donc un départ pour le premier brassage. Je souhaite la plus grande des chances à tout le monde. Et débutons par les brassages des équipes. C'est parti. Et on débute avec les Dodgers jusqu'à Washington. N'oubliez pas, le Washington inclut également les Expos de Montréal. Vladimir Guerrero, papa s'y trouve. Les Padres de San Diego aux Red Sox de Boston. Après le deuxième tour. Et le troisième de Dodgers à Atlanta.
Et maintenant, on y va pour nos participants, participantes. Trois tours, c'est parti. André D. André D. Oh oh. En haut et en bas. Complète de Music Guru. On continue avec Marc qui s'étend jusqu'à Gary pour le deuxième tour. Et on y va pour le troisième tour de brassage. C'est fait de Marc-André à Marc-André, encore une fois. Alors, Marc-André, tu es destiné à finir premier et dernier dans ce brassage. Et voilà, tout est remis en ordre. Tout le monde se voit attribuer son équipe. Passons tout de suite en mode carte et allons voir la liste. C'est fait. Et revoilà. Bonsoir, bonsoir. Alors, la liste complète juste à votre droite. Juste vous remontrer ici, ouh, mon doigt, que nous avons utilisé les roues de secours pour ce break. Alors, le petit astérix, la communication n'a pu être établie avec random.org. Ça arrive de temps en temps. Et quand ça arrive, on a le programme de secours qui vient faire le brassage. Et voilà pourquoi il n'y a pas de code. Alors, on va aller faire un petit tour des équipes. Le temps de vous rappeler que nous avons ces quatre belles boîtes juste ici. Alors, c'est parti. Atlanta pour Marc-André et Baltimore pour Marc. Joël, les Red Sox, les White Sox, Gabriel, les Reds, Mario, les Indians qui bientôt nous devrons changer le logo. Oui, oui, s'appelleront maintenant les Guardians de Cleveland pour Mathieu L. C'est bien ça, Mathieu L. Je sais, c'est Mathieu. On s'est croisé cette semaine au magasin. Salut Mathieu. Les Cubs et les Rockies pour Real, les Tigers à Robert, Houston à Yannick, Kansas City, Mathieu Bay, les Angels à Jack, les Dodgers à Marc-André Day, Miami à Steve, les Brewers ainsi que les Diamondbacks pour Louis-Philippe, Marc pour les Twins, les Mets pour Philippe, les Yankees à Marc-André, Gary, tu vois, Oakland et Pittsburgh, juste te rappeler qu'à Pittsburgh, il y a toujours qui Brian Hayes de potentiel à frapper. Philadelphie, les Phillies pour Hugues, les Padres à Vincent, les Giants à Ariel, les Mariners à Robert, les Cards de Saint-Louis, Anthony, Mario, les Rays de Tampa Bay, les Rangers du Texas, Jack, Toronto, Mathieu L. et Gabriel terminent le podium avec les Nationals de Washington. Donc, on y va. Regardez bien ce qu'on va faire. 1, 2, 3 et 4 ici. Mon inconnu pour baseball, Miami. Ton inconnu. Ok, tu veux dire, tu ne connais pas beaucoup le baseball. Et ben oui, Miami, c'est quand même bien. Il y a quelques recrues cette année, dont Jazz Chisholm et Jesus Sanchez, qui sont des bons potentiels. Voilà notre boîte numéro 1 ici. On va sortir le tout et regarder les paquets et terminer avec les cartes qui sont autographiées. Miami a quand même aussi quelques joueurs du passé qui pourraient sortir. J'ai un petit blanc de mémoire sur la liste. Il faudrait que j'aille la checklist pas très loin. Mais il y a aussi Lewin Diaz qui sort dans les vétérans. Comment il s'appelle? Attendez-moi un instant. J'ai des gens qui m'écrivent en privé en même temps. Et ouais, il veut pas sortir. Ah, il est bien coincé. OK, je l'ai eu. Voilà pour le troisième paquet ici. La quatrième boîte. Houston, si c'est pas pire, c'est quand même très, très bon. Hein, t'sais. Il y a quand même des joueurs excellents dans le passé, dont Nolan Ryan, hein, qui a passé par là. En ce moment, on a aussi Jordan Alvarez, José Altuve. Et je crois qu'il y a aussi le troisième but, Bregman. De mémoire, donc voilà pour le quatrième. Alors, nous avons nos quatre boîtes ici bien ouvertes. Ce qu'on va faire, c'est prendre le paquet de chacun sans dévoiler qu'est-ce qui s'y cache dessous. Ah, c'est bien ça. Garde un peu de mystère. Voilà. De cette façon, nous gardons un petit peu de suspense. OK. Donc, c'est fait pour les quatre cartes handcase sont protégées. Voilà nos quatre paquets. Et vous savez ce qui nous manque ici, c'est notre podium de la gloire.
podium de la gloire qui viendra vous indiquer quels sont les meilleurs hits de ce break, tout le monde. Alors, allons-y avec notre premier de 4 paquets et on va dévoiler ensuite les cartes autographiées une à une. On va se prendre un petit decoy. Alors là, je savais que j'étais à l'envers. Voilà. Et voilà, voilà, voilà. Donc, c'est parti pour le premier de nos 4 paquets de 3 cartes. Allons-y sur le dessus. Généralement, c'est pas mal tout le temps une base. OK, donc première ici pour les Giants. Joey Bart, le futur remplaçant. On peut se dire maintenant le remplaçant parce que c'est officiel, Buster Posey est à la retraite. Donc, Joey Bart, rookie pour les Giants de San Francisco. Il va aller sur le podium pour l'instant. Deuxième carte ici, nous avons pour les Royals de Kansas City, Whit Merrifield. Pour les Royals de Mathieu. Alors, Whit Merrifield, est-ce une carte numérotée? Non, ce n'est pas une refractor. Alors, vous m'excuserez également, il y a deux types de couleurs que je mélange tout le temps, que je ne suis pas capable de dire c'est laquelle, et vous allez m'aider. Troisième carte de ce premier paquet, et c'est pour les Tigers, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, et je crois que nous avons la refractor, oui, sur 199 pour les Tigers de Détroit de Robert. Alors, première carte numérotée ici, Miguel Miggy Cabrera ici sur 199, la 167 sur 199. Deuxième paquet. Alors, au baseball, contrairement à beaucoup de cartes d'autres types, comme le baseball, comme le hockey, le football et même le basket, des grosses occasions de frapper des belles cartes, même avec des équipes un peu moins bonnes, souvent puisqu'ils vont intégrer beaucoup de Hall of Famers. Comme ici, nous avons une base, Ronald Acuña pour les Braves d'Atlanta. Ronald Acuña, c'est une base. Alors même les bases de ce produit se vendent très très bien, très recherchées. Alors pour les Braves, Ronald Acuña. Ronald Acuña, deuxième carte ici, c'est une recrue ici, oh, pour les Twins, Alex Kirilloff. Je crois qu'il s'agit ici d'un joueur très sous-estimé, lui qui n'a pas eu le temps de finir sa saison, c'est lui-même condamné à se faire opérer le poignet pour une blessure, une vieille blessure. Alors, il n'a pas complété la saison au complet. Parce qu'il s'est soigné pour le futur. C'est une sage décision. Et la troisième carte du deuxième paquet ici pour les White Sox de Chicago, Lance Lynn. Et voilà une des deux couleurs que je ne distingue pas. Alors, si c'est sur 75, je crois que c'est fuchsia. Si c'est mauve, c'est sur 10. C'est ni un ni l'autre. Ça doit être bleu sur 150. Alors voilà ici, la 119 sur 150 pour les White Sox de Chicago, qui appartient à Gabriel. Alors, Lance Lynn. J'essaie de trouver le bon angle, comme on ne voit pas le visage, ou mon chandail, comme ça ici. Lance Lynn. J'irai avec un bleu. Est-ce que je me trompe? Bleu. Alors, disons bleu. Voilà pour notre deuxième. Mauve? Ben écoutez, j'étais pas loin. Parce qu'ils sont drôles en plus. Ils ont mis du bleu, du mauve, du fuchsia. Puis je pense même qu'il y a des roses. Donc, Sylvain, moi je t'aide avec des informations au sujet des produits de baseball. Et toi, tu me complètes avec les couleurs. C'est parti ici. La première carte est une Tim Anderson, je crois bien. Exactement pour les... Oups, j'en ai deux. Désolé. Alors, Tim Anderson pour les White Sox. Donc, Topps Chrome Black base pour les White Sox. Tim Anderson. Deuxième carte, je crois qu'il s'agit d'une Christian Yelich. Bel et bien une Christian Yelich. Numéro 80
pour les Brewers. Brewers de Louis-Philippe. Alors, Christian Yelich pour les Brewers. Et la troisième carte de cette troisième boîte, Zach Gallen. Et là, est-ce que c'est bleu? Aqua, fuchsia, mauve? On va aller voir la numérotation ici. Et c'est sur 75. Alors, si je ne me trompe pas, 75, ça peut être fuchsia. Couleur que je ne distingue pas du tout. Mais c'est pour les Diamondbacks qui sont fusionnés avec les Brewers. Donc, un 2 pour 1 ici pour Louis-Philippe. Zach Gallen. Bon lanceur ici pour les Diamondbacks de l'Arizona. Numéroté 21. 21 sur 75. Zach Gallen. Quatrième paca. Turquoise fuchsia. Ah, ben, je suis pas si pire. Bon, j'avoue que je le vois pas. Mais le fait que ce soit numéroté sur 75 m'a beaucoup aidé. Bon, dernier paquet de base pour No Tops Chrome Black. OK, je vous rappelle, hein, tout de suite après 19h15, on y va avec notre break 154 de hockey. Oui, hockey. Et un peu plus tard, dans les alentours de 20h15, nous revenons avec un break de baseball. Cette fois-ci, que des produits Panini. Alors, Topps Chrome Black Rookie pour les Rangers du Texas. Turquoise. Parfait, turquoise. Alors, Kohei Harihara. Kohei Harihara. Alors, pour les Rangers du Texas, Kohei Harihara. Arigato. Donc, il nous en manque deux ici. Deuxième carte. Qu'est-ce que nous avons comme deuxième carte ici pour les Dodgers? Cody Bellinger avec la poche d'arrière-train sortie. Cody Bellinger pour les Dodgers. Celle-ci n'est pas numérotée, portant le numéro 41. Cody Bellinger pour les Dodgers. Et la dernière base ici, il s'agit... Oh! Pete Alonso pour les Mets. Et qu'est-ce que nous avons? Et c'est une Atomic Green, je crois. Est-ce que c'est une Green ou si c'est pas vert? Il s'agit quand même d'une Atomic. Pete Alonso pour les Mets de Philippe. Ah oui, donc! Pour les Mets. Celle-ci, j'en ai pas vu l'an dernier. Alors... C'est numéroté sur 99. La 12 de 99. Salut Joe. Salut Jonathan. Alors 12 sur 99. Pete Alonso. Et c'est le reverse de son numéro, je crois. Je pense qu'il porte le numéro 21. C'est 21 ou 23, je suis plus sûr. C'est pas inscrit. Bref, une belle carte ici sur 99. Pete Alonso pour les Mets. Tiens-toi. Et on met les Mets sur le podium. OK. Maintenant, on y va avec notre pile. Comment ça va, Joe? Yeah, it's very, very nice product. They started to make this product only last year. So the first year of this product, Topps Chrome Black, was in 2020. And we have four boxes here. On est rendu à nos quatre cartes. Alors voilà pour la première. Handcase, c'est-à-dire autographié. C'est parti. Bonne chance. C'est la première pour les Blue Jays de Toronto. Alejandro Kirk. Ah oui, donc pour les Blue Jays. Alejandro Kirk. Ouais, good job, Alejandro. Alejandro. Et voilà pour la première, notre deuxième carte ici, Encased Autographe. Nous y allons. Et c'est pour les Yankees, Clark Schmidt. Alors, carte recrue pour les Yankees de Marc-André. Clark Schmidt. Recrue. Et ce n'est pas numéroté. Laissez-moi juste regarder, j'ai pas vu la Alejandro. Non, elle n'est pas numérotée non plus. Alors, deux recrues.
celle-ci pour les Yankees de New York, Clark Schmidt. La prochaine ici, allons voir ce que... Oh, c'est numéroté, c'est 03 sur 99. Alors allons-y, sans plus tarder. 1, 2, 3. Oh, pour les Indians de Cleveland, de Mathieu, Jim Thome sur 99. Jim Thome pour les Indians. Ah oui, donc une petite musique là, pour le fun. Hey, on a craché trois tours en même temps, let's go! Trop excité, Jim Thome pour les Indians de Cleveland, Hall of Famer de mémoire. Ancien premier but. Numéroté 03 sur 99 ici. 03 sur 99. En fait, de lien, c'est vraiment très je vais faire que je le replace pour les Indians. Voilà. Oh, là, on a quelque chose ici. Pour les Indians. Félicitations. Et voilà, et allons-y avec notre dernière carte numérotée peut-être. Et elle ne semble pas être numérotée, ça ne veut pas dire que c'est une belle carte. Ce n'est pas une belle carte, alors allons-y. Alors 3, 2, 1. Et c'est pour les Royals de Kansas City, Brady Singer. Brady Singer, rookie autographe pour les Royals de Kansas City de Mathieu Bey. Félicitations, Mathieu. Et nous allons faire un récapitulatif, tout le monde ensemble, sur ce break. Qu'est-ce que nous avons eu? Allons-y, allons-y. Donc, comme ci, comme ça. Voilà. De même et de même. Allons-y. C'est parti. Kohei Arihara, rookie. Hey, j'oublie ma petite chanson. On y va. Arihara, Bellinger, Yelich, Anderson, Merrifield, Kirilloff, rookie, Acuña, Joey Bart, rookie, Miguel Cabrera sur 199 pour les Tigers, Zach Gallen sur 75, on a dit turquoise à l'oreille pour les Diamondbacks, Lance Lynn, The Mauve sur 150 pour les White Sox, Pete Alonso, Atomic, si c'est pas vert, c'est Atomic pour les Mets sur 99. Une auto Clark Schmidt, Yankees, Alejandro Kirk, rookie pour Toronto, Brady Singer pour Kansas City et Jim Thome pour les Indians sur 99 pour Mathieu L. Voilà pour ce break numéro 147 dans les moins instants. Et voilà, s'ensuit dans à peu près 20 minutes le break numéro 154 hockey. Et si ça vous a mis qu'en haleine, allez remplir le break numéro 139 ce soir à 20h15 sans faute. Alors, on se revoit dans quelques instants pour le break hockey. S'il reste des places, dépêchez-vous. Vous ne voulez pas manquer ça. Quatre très belles boîtes. Feeling, là. Feeling. Il faut qu'on sorte quelque chose de gros suite à la dernière fois où ça a quand même été très fort. Donc, on s'en va sur la même ligne, c'est une promesse. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et revenez-nous seulement dans 15 minutes avec le break 154. À tout de suite tout le monde. Au revoir.